Et bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, on poursuit notre let's play de Black Myth Wukong. Allez, on va essayer d'avancer un petit peu. Bon, j'avais nettoyé un petit peu la zone la dernière fois. On va directement remonter par là. Et aller voir ce qui s'y passe. Ici, nous avions un... Mais il est plus là d'ailleurs. Un personnage qui nous a permis, pardon, de récupérer... Je sais pas si c'est une attaque dévastatrice ou autre... Acté sur le pouvoir des mobs qu'on a déjà tués. Il m'a touché tout de même, hein. J'ai l'impression. Alors, il va falloir faire attention parce que là, ici, il y a des mobs un peu différents. Ouais, un coup fort, ça passe. Descendu là, donc on retourne là-bas. Là-bas, ici, au fait, il y avait rien. Si, je peux y aller. Hein. Ah, mais je vais pas mourir, si. Non. Oh, ça sent pas bon. Ouah. Ça pue l'emplacement de boss. Il y a un truc là. Bon, ça m'a permis de lui faire du mal. Tétard, matériaux. Baoli Gu Liang. Avec mon accent. Mon accent pas top. Alors lui augmente considérablement la défense et ça réduit modérément le coût en endurance des sauts et attaques sautées. Adopter la forme de Baoli. Hein, tirer la langue pour atteindre les ennemis à distance. Bien que molle, la langue peut infliger de lourds dégâts. On va regarder ça. Edouard, ouais. C'est pas mal. C'est pas mal, mais on va garder l'autre pour l'instant. Effectivement, on passe. On a moins 20 de def. Donc l'autre nous rajoute quand même 20 def. Hein. Ça va faire beaucoup de bien, ça. Oh là là, c'est super. Hein. Les effets de lumière sont vraiment magnifiques. Qu'est-ce que nous avons là? Je peux rien faire là? C'est son antre. On va passer là, mais je sais pas si je suis pas en train de rater des choses, moi.
Ah, il y a des trucs là. Je vais redescendre, je crois que j'ai pas d'autre choix. Ça aurait mérité une petite carte quand même. J'aurais pas dit non, une petite carte. C'est vraiment superbe. Ah ouais, donc ça c'était la grande zone qu'on voyait. Donc j'ai, je suis parti en fuyant hein, parce que il y avait un peu trop de monde. On va les faire un par un. Pas venir toi. Mais c'est pas vrai, je prends pas les bons gars. On prend pas les nick au départ. Quoi? Serpent là. Puis au moins déjà ça va aider. Là, on peut pas sauter. Il y en a d'autres, hein. Il y en a un là-bas. Essayer de pas tous les spells coller en même temps là, ça serait bien. Waouh. Ah, faut pas que je fasse ça, je suis trop lent. À balancer un coup fort. Toi aussi. Et ici en voilà un autre. Alors, ah mais il y en a partout.
c'est des grandes lances. Non, juste des bambous, ok. Dans la zone, j'ai pas l'impression hein. On va faire le tour mais on est arrivé de là donc non. Bon bah allons-y. Même si là aussi ça sent pas bon. Ah ouais putain, ça sent pas bon. 若是今日死在你手，帮我带句话给师父：肉眼凡夫，求而不得神仙苦，半荣半枯，几人之事长生。 Quoi ce truc là? J'ai eu de la chance là, l'attaque m'a sauvé. <音>当年怂恿金池长老放火烧死唐僧师徒的恶僧，正是他俩。我倒是这两人都随那场火灰飞烟灭了，谁晓得不但没死，还化成了一狼一蛇两只妖怪。 OK. Non. Lui, il m'apporte quoi? Augmente modérément les dégâts de poison et la résistance au poison. OK. Non, il envoie du venin. Après, c'était vachement bien là, ces verres là. C'était super puissant. J'ai bien failli mourir. On peut pas aller voir ça? Je sais pas quoi ça sert ça. Ça les éveille tous, c'est peut-être plus simple après pour aller dans la zone d'où on vient. Ils sont peut-être déjà tous éveillés. <t'en> 现在山里大大小小的妖精都知道你闯进来了，干脆一鼓作气把他们收拾干净吧。 C'est un peu ce qui est prévu hein. Bon alors, ici on peut pas aller beaucoup plus loin. On est arrivé là.
très bien. Qu'est-ce que c'est que ça? Plante parfumée. Ok. Un peu de repos nous fera du bien. Autre chose? Non, dur. Niveau de la boutique, on peut toujours rien acheter. Rien de mieux, du moins. Alors, préparer les sorts, j'ai rien. Préparer les étincelles, élever les esprits. Lui, il est bien. Et si je le booste, il va me faire quoi, lui? Réduit le coût en qui de la compétence. Mais ça augmente pas considérablement la défense. C'est dommage. Parce que lui, lui il est bien pratique quand même. Notre ami. Bon, j'en ai trois, je voulais voir. Chaque niveau de talent augmente modérément les dégâts de l'attaque qui suit une esquive parfaite. Errance lunaire. Le tourbillon sauvage gagne en intensité, les flammes s'attisent à chaque stockade portée. Transformez-vous en gouaillelou et infligez le fléau de feu aux ennemis. À chaque attaque, attaque légère, danse de la lune, taillade d'ennemis et constituez-moi avec les lames. Et attaque chasse-lune encore, effectue une série d'attaques, ces attaques rapides qui sont bien pratiques effectivement. Je vais le booster ça, j'ai bien envie. Ça c'est quoi? Chaque niveau de talent réduit légèrement la consommation de puissance lors d'une transformation. Et chaque niveau de talent augmente légèrement la vitesse de récupération de puissance. Modérément les attaques, les dégâts de l'attaque qui suit une esquive parfaite. Mais c'est qui suit une esquive parfaite quoi? C'est ça qui m'embête. Ça, je peux pas encore l'éveiller. Ça, je le tente très bien, mais... Mais je vois pas l'intérêt de ça, quoi. Ça, je pense que c'est le nombre de fois j'en ai utilisé deux, il m'en faudrait me valider. Allez, je vais valider. Voilà, ça me valide ça. Et ensuite, j'aurai sa porte à 2, de 2 à 3, le nombre maximum de concentration. Donc. Ça c'est pas mal. Parce que ça va m'éviter de prendre des taquets. Je peux le faire deux fois maintenant. Ah!
quoi? Ça me permet de le monter. Ok.用来泡脚，倒是清热解毒的佳品。来来来，小老弟，里面请，里面请。Qui es-tu, mon ami ? Je t'avais même pas vu, en fait. Je croyais que tu parlais au serpent, moi. Je croyais que c'était le serpent qui était en train de me parler.瞧瞧，你这模样多半也是花果山来的猴子，我见得多了，论辈分你们都得叫我声祖宗。不过算了，谁让我被贬了呢。下界之石拿了不少宝。Ah oui, dis donc, tu peux améliorer les gourdes, améliorer les boissons. Remplacer la boisson et ajouter-y des addictifs. Améliorer la gourde obtenue. Alors je peux passer de 4 à 5. Pour ça il me faut des plantes parfumées de Liojia, c'est ce que j'ai récupéré. Ça c'est bien. Ça c'est très très bien. Vin de coco. Chaque gorgée permet de récupérer 33% de santé. Permet de récupérer plus de santé en utilisant la gourde. Pas assez de matériaux. Vert spiritueux éveillé. Ah ça c'est dommage. Chaque gorgée permet de récupérer 33% de santé. Si j'ajoute un addictif, l'utilisation de la gourde permet d'augmenter modérément la résistance au poison pendant une courte période. Ah mais ça va me le changer, non? On m'a dit que parfois les pilules les plus efficaces étaient celles que l'on développait en nous et que les chercher ailleurs étaient futiles. Donc ça me fera les deux. Une graine de lotus céleste. Additive l'utiliser en accord permet de récupérer graduellement une petite quantité de santé pendant un bref instant. Pendant un bref instant. Il faudra quoi des vers spirituels éveillés. On va en prendre un, on va voir. Et c'est cher, c'est 2400. Et c'est pendant un bref instant, c'est ça qui m'embête. Bon bah mon ami, t'es un bon ami toi. Toi il faudra qu'on se revoie.
descendre de nouveau ici. Ça me fait aller là. Ou ici. On va aller voir ce qu'il y avait en face. Je fasse gaffe, on va pas tomber. Ce serait intéressant. Ah, un coffre. Ok. Ça, ça pue boss aussi. Mais non, mais ça pue un boss, ça pue boss. Je me suis pas reposé, si. Si on s'était tout de même reposé. Il faut que je me repose une fois de plus pour pouvoir avoir un... Je vois pas exactement le nombre de... avancements, attendez. Après, c'est vrai que maintenant j'ai des nouveaux mobs pour m'aider. Est-ce qu'il faudrait pas que je vois... Parce que là on parle de poison. Et avec le personnage d'avant, et avec ce et avec cette potion-là. Est-ce que ça va pas être un boss acté sur la poison? Sur le poison, pardon. Remède contre le mal, granulé, amplificateur, poudre de miasme. On va vraiment faire ça. Ça, je sais pas combien j'en ai. Je vois pas où on peut le voir, ça. C'est bizarre qu'on puisse pas le voir. Plus simplement, quoi. Ça s'est supprimé ta poison. Ouais, c'est juste, on voit juste l'eau dans le truc, quoi. C'est compliqué, ça c'est bien, mais bon. J'aurais préféré pouvoir le voir réellement, quoi. Bref, on va aller voir le boss. Voir qui c'est, je sais pas si je vais le battre maintenant. Ah, bien falloir, hein. Il est pas là. Potion de puce, ça fait pas de mal. Eh oui. Évidemment. Feng Xi, Feng Xi, he de zhi shuai. Wang zhe bu ke jian, lai zhe you ke zui. Ah, t'es fait d'eau, toi.
la choix. Bois quand tu veux. Ah, je peux pas boire. Ah, je peux pas boire. Ah, d'accord. T'as... Ah ouais, d'accord. Ok, ok. Donc je peux pas boire, c'était logique, hein. Je perds pas de vie. J'aurais dû continuer à frapper. D'accord. On va essayer ça. Oh, t'es pas infaisable. C'est parti. Allons-y. Par contre, je croyais qu'il prendrait des guerres, mais je le fais pas comme ça en fait. Il fallait que j'utilise ça. Oh, t'es pas mort, toi. Ah, j'ai pas réussi à m'échapper. Il met trop de temps à boire. Et pourtant, si je devrais pouvoir boire en courant là, enfin, ouais. Ça permettait de boire en courant, ça, non? Bon, il faut que je garde ma première attaque, peut-être pour la suite, quoique, hein. Ah si, permet l'utilisation de la gourde en courant. Par contre, c'est le casque qui me permet ça, donc faut vraiment le garder. Allez, on y va. Ah, je vais faire un test encore. Et oui, il était un peu trop simple à mon goût. Tu fais beaucoup.
虽至柔，可复万。你感受到Alors, vas-y, on va faire la suite. Voilà. Elle est cool. Encore. Ouais, mais on en a déjà sonné deux, je pense. Par contre, tu me donnes rien, toi. Pas très gentil, ça. N'oublions pas de regarder un peu partout, tout de même. Grotte du vent noir. On va y aller après, on va d'abord aller voir là-bas. Puis je vais arrêter la vidéo là, ça fait longtemps aussi. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est encore un boss ça? Je vais arrêter là. Hein. Je vais arrêter là parce que ça pue le boss ici aussi. Oh là là, c'est pas possible, il y a des boss partout. Allez, je vais donc vous laisser, vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et agréable journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt. Allez, au revoir. C'est très chouette, ma foi.